Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Raider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 35 sur Assassin's Creed Origins. Alors, la dernière fois, on avait visité, rappelez-vous, cette pyramide, et Evie m'avait marqué dans un commentaire que comme quoi j'avais oublié un passage en rentrant à gauche. Voilà ce qu'il avait dit. Du coup, on rentre. Et à gauche. Ah. Ok. Oui. Mais tu peux pas t'accrocher là? Il ne peut plus. D'accord. Ça doit pas être là alors. J'ai dû me tromper alors. Mais Artemis, j'ai pas de courir après, hein. Bah putain. Ah, ça doit être là alors. D'accord. What? Bonjour. Je comprends plus rien. On est arrivé. On a dû arriver de par là, je pense. Ou par là, et bon. Parce que là où c'est fermé. Ah non, c'était là. Bon. Et en plus, il est bigu. Ah. Voilà, c'est là. Bon. Désolé, hein. Il m'a dit à gauche. Et on y avait été à gauche de mémoire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, on y avait été. Même le passage était bloqué. Putain, le jeu qui comprend pas qu'il faut qu'il avance. C'est quoi, c'est de la corde? C'est de la corde. Ok, parce que de mémoire on était monté. Ah. Puisse ton père qui est... Kéops. Voilà. Le justifier, être favorable, puisse-t-il te faire progresser parmi les abîmes? Les aînés, les abîmes. Puisse ton esprit lutter contre ton ennemi? Et puisse ton âme connaître les routes qui mènent au portail de celui qui arbitre les défunts. Oui, madame. Ah. Happy. À tête de babouin. Douamoutef. À tête de chacal. Amset. À tête humaine. Kébécénouf. Le faucon. Ce dont a besoin le rayonnant Kéops, vêtu d'azur, pour entrer dans la droite. Sera gardé par les quatre fils d'Horus. Nétis protège ses poumons, Net son estomac, Isis garde son foie et Serket ses intestins. C'est dégueulasse. Ok, et donc j'ai oublié ce petit trésor. Et pourtant ils me disent que j'avais tout bien, tout nickel. Et... Oh, très très joli. Putain, c'est une peau de serpent en fait qu'il a sur son arc. Dégueulasse. Et
après il m'a dit il faut que tu montes, 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 tu montes. Oui. Ça y est. Et du coup, j'ai mal. Effectivement, putain, j'avais pas cramé ça, quoi. Je crois que je m'étais arrêté à un truc. Je sais plus. Ça, c'était déjà allumé. Ça. Bah, voilà. Ouais. C'est bon. Nickel. J'avais tout fouillé. Parce que là, il peut pas monter. Non, il peut pas. Même s'il pourrait mettre ses petits doigts. Rappel, certains lieux possèdent des entrées cachées. Faut qu'il y a dedans. Voilà. Non. Bah il sait comment remettre en place une tête tranchée, il sait se faire suivre d'un lion. Ouais. Bon bah écoutez, hein, tant pis. On va dire que c'est fini. Je vais pas passer tout l'épisode à essayer de chercher le pourquoi du gamin. Voilà, c'est fait. Bah écoute, merci Evie, hein, je ne savais pas. Je pensais l'avoir fait, mais finalement non. Jamais. Allez, bisous, c'est fini. Artemis, viens ici. J'ai vu qu'il y avait aussi des choses à aller chercher, genre là. Et ici. Ici un truc là. Parce que rappelez-vous, on avait été dans le Sphinx. Et au niveau du Sphinx, on avait trouvé des espèces de lumière bizarre qui rappelaient un petit peu les constellations. Et on a vu aussi ces espèces de petites pierres. Et je pense que ça représente... Ça représente les constellations qu'on devait trouver avec son fils. Vous savez, la promesse de Bayek. Ah. Ah, bonjour. Une hyène, normalement, n'attaque jamais seule. Ah. J'ai cru voir sa tête voler en fait, j'ai fait ouf. Hey quoi? C'est beau? Bon hey. Ok, bon bah il y a un passage. Je veux le passage. Hop. Et il pouvait pas faire ça?
Il y en a combien les trésors? Il y en a deux. Et le deuxième est là. Bon, voilà. Ouh, petit collier. Ah, on peut pas faire ça avec. Ah. Ok. Là, il a voulu. Pourquoi pas? Là, il y a une quête. Ah. Car pour un cheval. Oula. Ça veut dire c'est hein? Monsieur. Et c'est vrai qu'on en avait aussi appris davantage sur la hyène. Caché, ne sois pas en colère. Nous les trouverons et les punirons. Ceux qui ont profané la chambre de ta couche ne rejoindront pas les champs de roseaux. D'accord. Oula. Il y en a plein en fait. Parce que. Ok. Ah! Oh là là! Je me demande vraiment où est-ce que c'est. Si toi tu l'as vu, crie très fort où est-ce que ça se trouve. Ça fait trop d'horreur à l'expo. Oh, je l'avais même pas vu. Rappel, le poids des objets placés de part et d'autre des leviers influe sur ceci. Ah. Bonjour, ceci est une énigme, mais nous ne t'aidons absolument pas. Non, non, non. Non, non, non. Domino. Interagir. Le lac de feu engloutira nos ennemis, grands conquérants, spoliateurs, seigneur des mers de sang, puisses-tu lever les bras contre ceux qui s'opposent à toi dans l'autre monde. Boop. Boop. Ok. Aisé, aisé. Déplacé. En plus, je peux même pas me. Genre aller trop un peu trop loin, tu sais. Le jeu me dit bon allez, on va t'aider. Petit trésor. Pidilouli. Il n'y en a qu'un et c'est une table ancienne. Ok. Il n'y a rien d'autre, je présume. Non, finalement, on va descendre. On revient après. Mais. Ah non. C'est bon. Mes bêtises sont toujours là.
Ah, c'est par là que je suis venu. Abruti bête. Quelqu'un? C'est joli en tout cas. Oh, mais c'est des heures que les jeux. De vieilles écritures de l'ancien royaume. D'accord, bon, il va tout le temps répéter ça en fait. Juste voir s'il n'y a rien d'autre. Donc, c'est par là où on est arrivé. Et non. Ok, bon, on va aller chercher le reste qu'il y a là-bas. Pardon, excusez-moi, je... Hein? Oui. Petit blocage à chaque fois qu'il fait cette animation, ça c'est marrant. C'est en mode, attends, oui, ah oui, c'est ça, une roulade. Alors vous posez pour peut-être la question pourquoi il fait ça, au moins comme ça je sais si j'y étais ou pas. Et on peut voir des brûlures quand même au mur, hein. On sait qu'il y en avait, hein. Les bras zéro. Bon bah du coup, hop, ah c'est bon, il avait chargé l'animation. Hop, ça on l'a vu. Ah ok. Je suis où? Waouh. Ok. Donc l'entrée elle est bien par là, hein. Ouais, bon, on va y retourner parce qu'on avait aussi oublié un truc. Au moins comme ça sera fini. Allez hop, c'est reparti. Puis je fais partie des gens qui veulent tout voir. Je peux pas me contenter juste de faire la quête principale et de pas fouiller complètement les endroits. C'est pas possible. Alors. Ô grand erreur en lieu. Putain. Accepte cette offrande d'un taureau sacré et ne fais pas pleuvoir sur nous ta malédiction. Nous ne sommes que de simples hommes et nos familles mourraient de faim.
Telle est la vérité, et nous te demandons humblement pardon pour nos transgressions envers toi. Oh là là, ça fait des bêtises. Ok, c'était juste ça en fait. Non, sérieux, c'est tout? Ah bah y'avait pas de quoi fouetter un chat et un canard. Trois chats et un canard. Oh, je sais plus l'expression. Vois-tu la lumière? En plus sur YouTube, vous allez tellement rien voir. Mais c'est stylé, je trouve que c'est quand même pas mal stylé. Bleh! Ça c'est cadeau, hein. Pour ceux qui regardent ça le soir, là, ça c'est cadeau. Hop là. Et il y en a un autre là-bas. Reste ici, toi. Là et là. C'est bon à voir ça. Hey! Whoa! Hey! Ah, je l'ai pas fini ce camp. Bon, on le finira un autre jour. Là, on est en mode découverte. Wow. C'est en dessous. Peut-être passer dans le sphinx. Ouais. Bon, vous savez quoi? On va en finir avec les pyramides, comme ça sera fait. Hein. Allez, yallah. Rabbi. Tiens, en parlant de ça, le ramadan c'est fini? Oui, j'entends parler arabe, ça va être d'un seul coup. Oh! Bim! Oh, dites-moi que je les ai tous butés. Oh là 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 là, elle me trop balèze! Bim! Même le jeu il a rien compris. Tellement elle me trop balèze. Pourquoi tu ralentis, Bayek? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, t'inquiète, je vais te mettre à l'ombre. Hop. Et là-haut, du coup, il y a quoi? Ok, bon bah c'est pas là, hein. Si on peut pas y aller, c'est que c'est pas là. Encore une tablette ancienne? Ok, c'est là. Ah ok, il y a là, et il y a là-bas. Ok, ça va. Allons d'abord en dessous. Ô divin roi Mykérinos, lui aux yeux d'or, bien-aimé de son peuple, héros du soleil safran, accepte ces cadeaux susceptibles d'apaiser ton esprit. Puisses-tu accorder à ceux qui te les offrent le pardon pour avoir laissé ton sommeil être troublé? Tu as apporté la prospérité à notre peuple et la paix à notre pays. Et Cléopâtre, reine d'Égypte, mère du Nil, t'honore.
Accorde-nous ta bénédiction. Ouais. Mais... Je... Oh, bien caché. That is done. Et décidément, qu'est-ce qu'on rayonne? On récupère des trucs comme ça. Ré, créateur, toi qui dirige le Manjet, tueur de serpents à Pep, porteur de moustaches, gardien de l'arbre sacré Ished, qui a combattu sans relâche à Anu la nuit où les ennemis de Kibercher ont été défaits. Nous t'offrons ton fils, Mikerinos, afin qu'il puisse marcher. Et j'ai trouvé une super lance. Sweet. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'était bon aussi. Pipa, 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 pipa. Hop. C'est là où j'ai été. Ah, je crois que c'est là où j'ai été. Ok, bon. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Allez, ouf, on se casse. Il n'y a pas autre chose pendant que j'y suis, non? Rien. En haut, non, non. Bon. Ah, et la découverture, si jamais il a froid, ouais, bon, je peux comprendre. Hein. Comment je vais faire pour monter moi? That is the point. Parce que moi je serais bien, alors au niveau de la capuche, hein, ce que j'aurais bien fait c'est pop, tac 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 tac. Help. Hop. Genre, tu t'accroches pas. Bayek. Oh oh. Hey. Ah oui, ils disent 26 mètres. Du coup, ça serait de l'autre côté alors. Ça serait de l'autre côté. Le joystick est en haut depuis 30 secondes. Bonjour. Hop. Voilà, c'est ça en fait, c'était juste de l'autre côté. Hop. Et voilà. Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, du coup, on glisse. Non, descend, descend, descend. Joystick, encore une fois. Hop, et voilà. Ok. Non? Envie? Mais, il y a quelque quoi? C'est glissé. Un peu. Ah, c'est juste là. Oh, comment il me nargue le jeu. J'ai loupé un truc. Ok. Non mais ok, je le vis bien. Arc. Araignée de merde.
enfoiré. Non. Non, je peux pas. Ah, les bâtards, je fais comment? Une flèche de feu. Ou pas. Ok, ça marche. Bois, flèche de feu, tout ça. Ok, ça marche. Et bah dis donc. Vieilles écritures de l'ancien royaume. Oui. Ah, et du coup, on pouvait passer par là. C'est à qui ? Sa très sereine déesse, éthérée, Khamerernebti II, mère du roi de Haute et Basse Égypte, elle qui voit Horus VII, garde du spectre Étès, très louable prêtresse Djiouti, prêtresse du... ok, la très aimée épouse du roi, fille du roi de son corps, maîtresse révérée, honorée par le grand dieu. Eh ben dis donc, ça en fait beaucoup. Hein. Par contre, sympa la petite couronne là. Voilà la chambre baignée de safran de Mykérinos, afin que lorsque son cas reviendra parler au monde mortel, il voit combien nous l'aimions. Eh bah putain, ouais, c'est nous qui fait du surplace. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va arrêter cet épisode. N'hésitez pas à me dire hein, si vous aimez bien, vous aussi, découvrir avec moi les nouvelles pyramides ou si tout simplement vous voulez vraiment de l'action, qu'on y aille, qu'on fasse des quêtes secondaires, du coup. Donc n'hésitez pas. Dans les commentaires, encore une fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!